Jean. 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 Pourquoi tu m'as pas attendu pour manger? Tu devais être là il y a 3 heures. Tout est froid maintenant. C'est vrai. J'aurais dû appeler, j'ai oublié. Je t'en prie, excuse-moi, ne m'en veux pas. J'en peux plus, je suis au bord de la crise des nerfs. Tu es comme ça depuis des mois. Et comment veux-tu que je sois? J'ai toute la presse sous le dos. Mes amis ont disparu. J'ai plus rien, j'ai plus un coup de fil. Qu'est-ce que tu t'imagines? Tu crois que si je suis à répétition du matin au soir, c'est pour te faire souffrir, c'est ça? Tu comprends pas. Si je rate l'Olympia cette fois, ma vie est foutue. Et nous? Ça représente quoi dans ta vie? C'est mon métier, je ne suis plus rien. Je ne suis plus rien, Jean. Il fait froid et il neige ce 6 décembre 1961. Nous sommes en direct devant l'Olympia et la foule s'étend jusqu'au Café de la Paix. Vous êtes pour ou contre Dalida? Pour moi, c'est clair. Une femme qui trompe son mari ne mérite pas de chanter. Monsieur? C'est un grand talent, le reste, on s'en fout. D'accord. Et vous, est-ce que vous êtes pour ou contre Dalida? C'est mon idole, monsieur. Et vous? Son public ne lui pardonnera pas. Vous êtes d'accord? Non, non. Si j'avais son courage, j'aurais fait pareil. Oh, quelle déclaration! Et vous, monsieur, qu'en pensez-vous? Qu'elle retourne dans son pays, voilà ce que je pense. Le public est divisé, l'atmosphère survoltée, c'est très excitant tout ça. Je me demande comment va se dérouler cette première, nous allons voir ça. Dalida risque sa carrière, Dalida joue sa vie. Alors surtout, restez avec nous, nous allons rentrer dans l'Olympia. Pardon, s'il vous plaît. Vous avez tout à l'heure, après le spectacle, c'est pas bon, c'est bon. Ça va être une très belle soirée, on en parlera plus tard. Très bien. Rosine va t'occuper de Dalida. Une chose est sûre, ce soir, tout le métier sera dans la salle. Non, le talent sera sur la scène, vous verrez. Qu'est-ce que c'est que ça? S'il vous plaît. À la chanson des fans, vive Edith Piaf. Donnez-moi ça. Mais regardez un peu. C'est anonyme, bien sûr. Enlevez-moi cette saleté. À la chanson défunte. Mais. Dali, c'est moi. Tiens, regarde le mot qui accompagne ces fleurs. Chante avec passion, comme toujours, ton ex Lucien. J'en attendais pas moins de lui. Tu vas gagner. Piaf est dans la salle et même Brassens est sorti de sa tanière. C'est à toi maintenant. Ça va aller? Hein? Je savais qu'on m'attendait au tournant. Il fallait réussir. Deux mots m'obsédaient. Deux mots. Durer, survivre. Durer, survivre. C'est fichu. Elle n'a même pas le trac, ils l'ont déjà tué. Mais arrête. Hein? Je me sens vivre parce que je t'aime, parce que je t'aime.
C'était sa vie entière qu'elle mettait en jeu. Le public l'a senti, il n'a pas résisté. La salle est debout, les applaudissements n'arrêtent pas. Ce soir, seul contre tous, Dalida a gagné son pari. Jean ? Jean ? Jean. Ah, bonsoir. Pourquoi tu me réponds pas, hein? Désolée du retard, j'ai pas pu me libérer avant. Tu as les yeux qui brillent. Oui, c'était bien, quel succès. J'ai sur mon butreau de champagne. Qu'est-ce que tu peignais? Je peux voir? Sans intérêt, c'était juste pour passer le temps. Et ça ne m'inspire pas beaucoup. J'ai pas pu rentrer plus tôt. J'aurais voulu, mais c'était la première et il y a un tas de gens qui viennent te voir, te parler, tu sais ce que c'est. Non, je ne sais pas. Je ne peux pas savoir, je n'étais pas invité. On aurait pris ça pour une provocation. Qui on? On vit ensemble, mais dans les moments importants, il faut surtout pas qu'on voit. Non, mais je comprends. Ça pourrait offenser tes copains, Lucien par exemple. Il paraît qu'il était le premier à t'applaudir. Pas rancunier, un vrai gentleman. Mais tu vas pas me dire que tu es jaloux de Lucien. Ce serait absurde. Je ne pensais qu'à toi. Je n'ai chanté que pour toi. Ne crois pas ça. Ce soir, tu voulais prouver à Lucien que tu n'avais plus besoin de lui. Et tu m'as prouvé aussi que tu n'avais plus besoin de moi. Pas du tout, c'est faux. Tu sais très bien que ce qui compte dans ta vie, c'est la chanson. Des hommes passent après. Et moi, je ne saurais être un de ces hommes-là. Jean, où tu vas? Prendre l'air, voir mes amis. Jean!